Poissons et ascendant Poissons, voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024. Bonne année évidemment à tous. Et ça commence plutôt de manière sympathique avec le soleil en Capricorne qui donne la priorité à vos amitiés, à tout ce qui est les nouveautés, mais aussi le social. Hein. C'est une période où vous devez vous préoccuper peut-être un petit peu plus d'autrui, hein, des personnes qui sont démunis, qui sont seuls, qui auraient besoin de vos soins parce que le poisson, il sait soigner. Je dis pas que c'est médical, hein, ça peut être aussi psychologique. Vous pouvez apporter une aide psychologique à certaines personnes qui en ont besoin, mais vous capterez les gens qui vont pas bien. Ça, vous aurez vraiment l'intuition pour ça. Hein. Après le 20, le soleil va être en Verseau, c'est-à-dire dans l'ombre de votre signe. Donc, et Pluton va arriver aussi. Donc, vous serez un petit peu moins, vous vous mettrez un peu moins en avant. Mais bon, vous continuerez à apporter votre aide, votre soutien. Vous serez dans l'empathie, vraiment le désir d'être solidaire de certains groupes humains, d'une collectivité qui est peut-être attaquée ou voyez. Vous continuerez à apporter votre aide. Et puis, pour Pluton, allez voir la vidéo qu'on a tournée avec Zoé qui en date du 21 mars 2023. Côté activité, Mars va être aussi en Capricorne à partir du 4, il va faire les trois décans. Et c'est... les énergies de Mars, qui sont des énergies combatives, qui vont se trouver dans ce secteur 11, qui est le secteur de l'amitié, de la solidarité. Donc, à mon avis, vous en ferez encore plus avec ce Mars pour aider les autres, à moins que vous n'ayez un projet particulier, un projet professionnel pour les uns ou un projet... différent pour les autres, peut-être le projet de partir secourir les gens qui en ont besoin ou n'importe quoi qui serait relié à votre capacité à aider les autres à leur apporter votre soutien. Maintenant, attention avec Mars parce que il y a toujours du conflit dans l'air. Même si elle est en bon aspect, comme c'est le cas, il est possible que vous soyez en conflit avec l'un de vos amis parce que vous ne partagez pas le même idéal, les mêmes idées. Ça vous touchera peut-être pas puisque c'est en bon aspect, mais il n'empêche que vous aurez peut-être à défendre, un parti politique auquel vous appartenez ou des opinions qui sont les vôtres, qui sont peut-être un petit peu différentes de celles des autres. Mais bon, vous le ferez avec toute la conviction que vous avez en vous. Enfin, côté cœur, Vénus va être en Sagittaire, c'est-à-dire tout en haut de votre ciel, ce qui lui donnera évidemment une importance particulière. Alors, qu'est-ce que représente Vénus? Les amours, les accords, l'argent. Voilà, tout ça va être parmi vos priorités, puisque c'est au zénith de votre zodiaque. Toutefois, elle est en dissonance avec Saturne, les premiers jours du mois. Donc, si vous êtes du premier décan, il y a peut-être quelque chose qui vous attristera ou sera frustrant ou alors vous serez en manque. Mais bon, ça va pas durer, promis. Vous ferez tout pour vous sentir aimé, apprécié par vos supérieurs, par vos parents, par votre chéri. Disons que vous ferez abstraction de certains problèmes pour vivre des moments
comment dire, plus chaleureux, plus amoureux. Hein. Mais bon, c'est vrai que ce sera, comment dire, pas toujours satisfaisant tant que Vénus sera en Sagittaire. Mais à partir du 23, eh bien, elle sera en bon aspect depuis le Capricorne. Et là, bon, disons que déjà vos amitiés seront un soutien sans faille. Et puis, vous vous sentirez très à l'aise avec certains de vos amis, et même plus, hein, disons qu'une amitié amoureuse pourrait s'installer, ou alors, bon, si elle est déjà là, vous pourrez peut-être passer à l'action. De bonnes journées le 6, le 10, le 20 et le 23, parce que bon, vous pourrez défendre vos idées, vos opinions, être dans l'action pour autrui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.